And here's a story about being free. Bonjour, un rendez-vous incontournable chaque année à Eric, les 24 heures de tandem. 25 tandems engagés en 1989 lors de la première édition, 80 tandems 20 ans plus tard. Les 24 heures, c'est du sport, mais c'est surtout une fête. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on a mis en place un thème. Donc cette année, c'était les inventions, et l'année prochaine, ce sera les métiers. Donc tous les tandems sont décorés en fonction du thème de l'année décidé par les organisateurs. En fait, les coureurs font la plus grande distance possible en 24 heures. Et le record aujourd'hui est de 806 km, donc 33 km/h de moyenne sur 24 heures. Donc c'est pas prêt d'être battu à mon avis. Sachant qu'ils sont 6 par équipe, donc c'est des relais quand ils veulent, quand ils le désirent. Alors on est organisé sous forme de commission. On se réunit à peu près une fois par mois les 6 premiers mois et après on enchaîne les réunions au gré quoi. Sur le week-end, on est entre 450 et 500 bénévoles. Sur le week-end. Mais on est un comité d'organisation qui est constitué de 23 personnes. D'entrée gratuite, on estime à peu près entre 12 et 13, 14 000 personnes qui passent. Qui passent sur le week-end, hein. Ils ne sont pas 14 000 en même temps, mais on a des temps forts comme le départ, le feu d'artifice et l'arrivée. 78 équipes, on a eu 2 désistements pour des raisons qui leur appartiennent. À côté du prix de la plus grande distance, on a 4 autres prix. Le plus joli tandem décoré. La meilleure animation, c'est-à-dire il y a des gens qui animent. Le plus beau déguisement. Et on a également remis un prix, le prix du fair play. Dans les classements, on récompense un peu mieux, on va dire, le premier, évidemment le premier, deuxième et troisième. Ce qui fait l'intérêt des tandems, c'est quand même la recherche des gens pour décorer leur tandem. Et c'est ce qui fait aussi plaisir au public. C'est le rendez-vous le deuxième week-end de juin de tous les Éricois et Éricoises. Et rendez-vous donc en juin 2010 pour la 22e édition sur le thème des métiers.